Journée du feu, volume 3, ça tourne, il est à peu près 9h51, on vient de se lever il y a une demi-heure, et là on prépare les petits cafés. Voilà, donc dans la bonne vieille cafetière, à l'ancienne, mais c'est le meilleur café que j'ai jamais goûté. Monsieur Rosa. Le plaisir de la vie, c'est ça. Ici et là-bas. C'est régalant. Ici, on peut mettre des miettes partout parce qu'après, je prends la nappe et je la secoue. Partez. Bon appétit. Voilà le petit camp, on vient de finir déjeuner. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va se manger un petit œuf cuit dur. Et le yaourt. Le petit Danone Noche de Coco. Et le jus d'orange. Belle. T'entends les oiseaux? Ouais, gitanos. Alors là, on a trouvé un beau morceau d'arbre mort que j'ai ramené. Et c'est ici que ça découpe. Les plus gros, on les cire. Il n'y en a plus. Il y en ça, a c'est encore. Basic fit. On a mangé de bon aujourd'hui à midi. Alors d'abord on a mangé du tagano fait par la mamma, la spécialité siciliana. Et là maintenant on est en train de terminer. Il ne reste plus grand chose. On a fait des petits pains pita avec viande hachée et salade. Et du poulet aussi. Et du poulet, ouais. Ça bûche, hein. T'es motivé, hein. Ouais. Et voilà, mes amis. Ta bûche. Un petit mot. Maintenant, je prends mon lit de camp. Je vais mettre la tête en dessous de la table pour être à l'ombre. Et je vais dormir jusqu'à 18h. Tranquille. Je vais d'abord ranger le camp, ici, les outils. On se ferait pas un petit café d'abord? Si. Un café avant de dormir, c'est le top. Sur une échelle de 1 à 10, t'es fatigué combien? 3. Ouais, quel homme. Là, c'est en mode indien. Voilà, une petite journée à couper du bois. Quelques petites provisions. Et un peu de paille là-bas pour allumer le feu. Là, maintenant, je bricole un petit truc sympa avec une canette de coca. Je sais pas encore trop quoi faire avec, mais je trouverai bien. J'ai passé une demi-après-midi, non, une après-midi entière à scier du bois. Mode camouflage en mode indien, là, c'était pour pas faire peur aux animaux dans le bosquet. Mais je suis bien fier de moi. Quelques petites réserves, là. Et voilà, la fin de la soirée, ici, on se prépare tout doucement. On a mangé, on a spardé, tout le reste. C'est bien. La simplicité. L'essentiel, n'oubliez jamais ça. Formaggio. Desaula. Et prosciutto. Grazie Giovanni. Voilà, là on est calé pour la soirée. On dirait que ça prend, hein? Instantanément. Bon, voilà la fin du volume 3 de Journée de Feu. On arrive tout doucement au terme de la soirée. Avec un bon petit thé chaud. À côté de la lampe à pétrole qui ne sent pas parce que c'est du pétrole inodore. Et oui, il faut penser à tout. Salut. Un bon thé, à fumer. Ciao à tutti, belli brutti, buonanotte.